Sí, doncs molt bona tarda a tothom. Podria fer una salutació especial al senyor Ahmed Galai, que ha acceptat avui de venir a llegir-nos el manifest en suport del dret a decidir dels catalans, un manifest, com ell explicarà també, que signen altres personalitats. Ahmed Galai és el vicepresident de la Lliga Tunisiana pels Drets Humans, que és membre del Quartet de Diàleg Nacional, Premi Nobel de la Pau 2015. Va néixer fa 63 anys a Bizerta, Tunísia. És llicenciat en periodisme econòmic i després d'estar a la presó per motius polítics en el règim de Habib Bourguiba, es va exilar a Suïssa, on va treballar com a corresponsal de premsa i, de tornada al seu país, va exercir durant 17 anys com a professor de francès. Com he dit, és vicepresident de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, que forma part d'aquest quartet pel diàleg nacional, juntament amb la Unió General Tunisiana del Treball, la Unió Tunisiana de la Indústria, Comerç i Artesania i l'Ordre Nacional d'Advocats de Tunísia. Aquest quartet va actuar com a mitjancer entre la ciutadania i les diferents faccions polítiques i religioses, buscant el consens i les solucions pacífiques després de la revolució democràtica, la revolució del 2011, que va d'arribar la dictadura de Ben Ali, una tasca per la qual, com he dit, el quartet va rebre el Premi Nobel de la Pau l'any 15. Després de la revolució va sorgir la necessitat d'acostar les parts i destrabar el procés revolucionari tunisià, que va ser com va sortir aquest quartet, i com la seva implicació en el procés va fer de Tunísia l'únic país en què, després de viure l'anomenada primavera àrab, el clima no ha derivat cap a seriosos problemes de violència i de caos, sinó cap a un procés pacífic i democràtic de transició. Òbviament també ha patit amenaces, però en qualsevol cas el seu compromís ve de lluny, té un compromís també molt arrelat amb els refugiats, un compromís amb la pau, un compromís amb el diàleg, i jo li voldria agrair, je vous remercie, mon cher ami Ahmed Galai, votre soutien, votre engagement avec notre processus qui essaye d'offrir aux Catalans le droit de s'exprimer, en fait, le droit que c'est fondamental dans la construction d'une démocratie. Donc, je vous passe la parole, monsieur, et en remerciant de votre participation efficiente. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, monsieur le Ministre, mes amis militants des droits humains qui sont présents ici, messieurs les journalistes, lorsque les amis catalans m'ont demandé de soutenir cette cause que je crois juste convaincue, je n'ai pas hésité à l'instant. Pour des raisons multiples. Affectif, bien sûr, au début. Je vais beaucoup avec l'affectif parce que j'ai des amis catalans très, très nombreux qui me partagent beaucoup de valeurs humaines, de solidarité et qui nous ont beaucoup supportés dans des moments difficiles. Cette ville aussi m'est très, très chère. Cette région m'est très chère. La Catalogne est très chère parce que je vois dans beaucoup d'endroits où je vais afficher des slogans d'amitié, d'accueil, de spécialité avec les franges les plus marginalisées. Donc c'est une région très très chère. Et c'est une région qui est aussi très culturelle, qui nous a accueillis, et ça c'est un petit secret que je vous livre, lorsqu'on était en clandestinité. On a fait ici une réunion clandestine, mais pas ici, parce qu'on ne pouvait pas la faire en Tunisie. C'était en 2009. Pour ces raisons affectives, je n'ai pas dit non, j'ai dit oui tout de suite. Il y a des raisons aussi, bien sûr, objectives. Je suis un droits humaniste. Je milite pour les droits humains depuis 40 ans et plus maintenant. Et la charte des droits de l'homme, qui est notre Coran à nous, notre destour, notre constitution, la charte qui est composée de trois textes fondamentaux, la déclaration de 48, les deux pactes de 66, elle stipule dès le départ. Le premier article de cette charte-là stipule le droit des peuples à l'autodétermination. Or, pour moi, les Catalans sont un peuple. C'est une nation, et c'est dit dans les textes fondamentaux de la Catalogne. Et pour moi, qui est arabe, et on a beaucoup débattu de cette question de nation arabe, la nation, elle a des composantes objectives qui se trouvent dans la nation catalane. C'est l'intégrité géographique, c'est l'histoire commune, c'est la culture, c'est la langue. Donc c'est un peuple. Et cela me fait dire que l'État démocratique
qui se prétend démocratique doit, il a l'obligation internationale d'appliquer les chartes qu'il a ratifiées. Le pacte des droits humains, les droits civils, politiques, socio-économiques, est une convention contraignante pour les États qui l'ont ratifiée. L'État espagnol doit faire connaître ces chartes-là, ces droits-là, il doit les protéger, il doit les mettre en œuvre. Trois obligations du droit international. Donc pour cela, je dis, et je suis très honoré par votre invitation, Monsieur le Président, par votre invitation, messieurs mes camarades militants, de m'associer à 50 personnalités illustres par leur militantisme, par leur dévouement pour la cause humaine. Je cite seulement quelques-uns. Desmond Tutu, Noam Chomsky, Jody, donc ce sont des personnalités qui ont dit oui, qui sont de tous les bords, politiques, intellectuels, sportifs, qui ont dit oui pour une démocratie en Catalogne, oui pour le droit du peuple catalan de voter. Et c'est un droit démocratique. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique et du plus pacifique qu'un peuple vote contre ce droit pacifique? L'État espagnol affronte un langage de crainte et de peur. C'est, pour moi, c'est le conservatisme face au progressisme. Donc, au nom de ces 50 personnalités, je vais dire ce manifeste très simple, mais qui a des arguments très très forts. Une majorité de Catalans a exprimé à de nombreuses reprises et de différentes manières leur volonté d'exercer leur droit démocratique à décider par un vote de leur avenir politique. Cette forte demande de vote est le résultat de dissensions de longue date entre les gouvernements de la Catalogne et de l'Espagne au sujet du degré d'autonomie culturelle, politique et financière dont peuvent disposer les Catalans, malgré plusieurs tentatives pour arriver à une solution acceptable. Comme nous l'avons vu au Québec et en Écosse, la meilleure manière de résoudre les conflits internes et légitimes est d'utiliser les outils de la démocratie. Empêcher les Catalans de voter semble contredire les principes qui inspirent les sociétés démocratiques. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement espagnol et ses institutions et leurs homologues catalans à travailler ensemble afin de permettre aux citoyens de Catalogne de décider par un vote de leur avenir politique et de négocier en toute bonne foi en se basant sur les résultats de ce vote. Personnellement, je considère que le référendum annoncé pour le 1er octobre est la meilleure occasion de défendre et de préserver les principes démocratiques et les valeurs de la paix dans la recherche d'une solution négociée au conflit politique entre la Catalogne et l'État espagnol. Les urnes ne devraient jamais, jamais être considérées comme un problème ni la cause d'un conflit. Le 1er octobre, non plus. Les urnes sont la solution civilisée et démocratique au conflit et le 1er octobre ne doit pas constituer une exception. Je vous remercie pour votre attention. J'ajouterai, messieurs, que ce vote-là est un vote démocratique, est un outil démocratique. La démocratie est en jeu, donc luttons pour que la démocratie soit sauve. Merci beaucoup. Monsieur le Président, que la victoire soit avec vous. Merci. Merci, cher ami Ahmed Galaï, pour votre soutien. Au nom de minimum 5 prix Nobel de la paix et 50 personnalités de relevance mondiale, au droit des Catalans à décider notre avenir. Et surtout, pour votre soutien personnel, concrètement, à le référendum du 1er d'octobre. En un món globalitzat, la democràcia és un valor a fomentar. És un valor a fomentar i a prestigiar com a garantia de la llibertat, dels drets humans i de la convivència. Catalunya
sempre ha presentat les seves reivindicacions de forma pacífica i democràtica en el passat, en el present i, sens dubte, en el futur. Ha estat un exemple de convivència que ha superat totes les dificultats amb què ha topat tant en el passat com, tristament, en el present més recent. El suport d'aquest grup de personalitats internacionals justament avala aquesta trajectòria. Ho ha dit el senyor Galay, ho han dit moltes altres persones, ho tornarem a dir segurament amb més insistència que mai aquestes properes setmanes. En democràcia, els problemes es resolen votant, ja sigui en unes eleccions o ja sigui en referèndums. El vot de la gent és la millor eina que té un país per poder expressar la seva opinió. Opinió per canviar les coses o per deixar-les com estan. Les dues opcions són legítimes. Per això el govern de Catalunya convocarà i celebrarem tots un referèndum pel proper dia 1 d'octubre per saber, perquè necessitem saber, quin futur volen els catalans i les catalanes pel nostre país. De manera que un referèndum mai no pot ser qualificat d'estafa, sinó tot el contrari. L'estafa seria impedir la seva celebració. Amb les urnes mai no es fa un cop d'estat. Tot el contrari, un cop d'estat seria prohibir-les. El referèndum és sinònim de democràcia arreu del món i per això fem i agraïm aquesta declaració d'avui. El proper 1 d'octubre es farà un referèndum. Sí, i amb totes les garanties. Homologable internacionalment i amb un resultat vinculant. Qualsevol intent d'impedir-lo, ja sigui per la via judicial o políticament, està destinat al fracàs perquè la democràcia és imparable. I per tant, suports com els que personalment ha expressat el senyor Galay a la celebració del referèndum i els que tanta i tanta gent d'aquest país expressa perquè té ganes de votar, són els que proporcionen, entre altres, moltes de les condicions perquè puguem exercir el nostre vot en plena llibertat i en plena normalitat, que són les característiques que tenen i que estimen les societats democràtiques. Moltíssimes gràcies i reitero una vegada més les gràcies al senyor Galay i també les gràcies a un altre Premi Nobel de la Pau, el senyor Pérez Esquivel, que ha volgut sumar-se també a aquest suport. No ha pogut fer-ho presencialment per raons de, diguéssim, d'agenda, però sí que ha volgut, insisteixo, enregistrar un missatge que ara el veurem tot seguit, just abans de concloure aquest acte. Endavant, doncs, amb les declaracions del Premi Nobel de la Pau, el Pérez Esquivel. En primer lugar, un fraterno abrazo al pueblo catalán. Están en una posición de buscar su independencia. Todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su identidad, a su cultura, a su pertenencia. Y esto es lo que tiene el pueblo catalán. Y hago un llamado también a las autoridades españolas que el mejor camino para resolver los conflictos es el diálogo. Que esperamos que a través de todo esto, de la consulta popular, el plebiscito que van a realizar, puedan encontrar los caminos de solución. Le deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Estaremos atentos a todo el caminar del pueblo catalán. Bé, si els sembla, faré un petit tall en castellà, si hi ha mitjans que els interessa. D'acord. Pues, en primer lugar, quería agradecer al señor Ahmed Galay el apoyo, su apoyo y también el de los 5 premios Nobel de la Paz y unas 50 personalidades de relieve mundial al derecho de los catalanes a poder votar sobre su futuro. Creemos, compartimos, lo ha dicho el señor Galay, lo ha dicho también el señor Pérez Esquivel, en democracia los problemas se resuelven votando. Y esto es lo que vamos a garantizar el próximo día 1 de octubre, para poder conocer bien cuál es el deseo mayoritario de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para el futuro del país.
Por tanto, estamos lejos de ser un problema, sino justamente de ser un ejemplo de ejercicio democrático. Hacer un referéndum, celebrar un referéndum, jamás puede ser calificado de estafa. Todo lo contrario, la estafa sería impedir su celebración. Con las urnas nunca, jamás, se hacen golpes de Estado, se dan golpes de Estado. Los golpes de Estado serían prohibirlas. El referéndum, por tanto, es sinónimo de democracia en todo el mundo. Y por eso, nuestro agradecimiento a la declaración de hoy, que justamente va en la línea de apoyar el derecho de los catalanes a poder votar. Porque vamos a celebrar un referéndum, vamos a hacerlo con la máxima libertad y con la máxima normalidad, y por consiguiente vamos a aplicar, tal como es nuestro compromiso, el resultado. Muchísimas gracias. Merci.